Bonjour à tous et bienvenue sur Transport et Van TV. Aujourd'hui, nous avons planté nos tentes chez Van Meegen Logistique à Saintes, un acteur majeur en Belgique avec un sens aigu de l'innovation et du développement durable. Nous en parlerons en détail dans un instant. Mais d'abord, je vous emmène à Boom, où Transport Média organise le tout premier show Passion for Vans. Voyons de quoi il s'agit exactement. Salut tout le monde! Je dois vous avouer, je suis un peu nerveux. Je suis en direction des Halles de Nove et ça se situe à Beaume pour la toute première édition de Passion for Vans. Est-ce que vous allez voir là-bas? Ben, je vais tout simplement vous le montrer. Simple! Comme vous le voyez, tout le monde se prépare pour l'instant pour le tournage de tantôt. Parce que tantôt, beaucoup de marques d'utilitaires LCV et aussi des carrossiers vont venir montrer leurs produits. Il y a entre autres aussi une black box où SSL Rent va nous régaler d'un light show phénoménal. Entre autres, les spécialistes de Wash One sont en train de reluire tous nos véhicules pour qu'ils soient super beaux. Voilà. Dites, mon Maxus, ben, il est là d'or, hein. Ça va? Oui. Voilà. Il a dit oui. Et c'est ici, dans ce studio, que sera filmée la nouvelle série de We Are Champions. Et voilà, mesdames et messieurs, ce spécimen formidable s'appelle Michel. Salut Michel. Bonjour. Tout va bien? Bien. Je pourrais avoir un petit café, s'il vous plaît? Oui, certainement. Incroyable. Ça, c'est Michel. Hein. Toujours, oui, toujours positif. Voilà. Merci. À votre santé, hein, Michel. Et dans ce salon, je vais mettre les managers sur le grill. Voilà, je vous promets que ça va être un show formidable ici, dans la salle de Nove, à Beaume. À tantôt! Cela va être très amusant, restez donc bien avec nous. Nous sommes bien sûr toujours chez Van Meegen Logistics, qui a débuté ses activités en 1956 avec un seul camion pour le transport de marchandises à Bruxelles. Très vite, la société allait se concentrer sur les déménagements tout en développant le transport en provenance et en direction de l'Allemagne et de la France. Van Meegen est aujourd'hui un acteur très important, avec une flotte de plus de 350 véhicules et une superficie de stockage en Europe qui dépasse facilement les 145 000 mètres carrés. Et parmi ces véhicules, il y en a quelques-uns qui sont très étonnants. Mais regardons d'abord ce film. Regardez, Van Meegen Logistics a beaucoup plus à offrir que vous pourriez penser à première vue. La société Van Meegen Logistics a vu le jour en 1956 et s'est incroyablement développée. Leurs clients actifs, dans de nombreux secteurs, peuvent compter sur leur professionnalisme et leur grande expertise comme transporteur national, international et multimodal. Mais aussi sur une superficie d'entreposage impressionnante. Et puis, n'oublions pas leur agrégation AEOF, le GDP ou encore leur parc de véhicules les plus écologiques du moment. Et surtout, les personnes de contact entièrement dédiées à leurs clients respectifs. Mais savez-vous ce qui distingue vraiment Van Meegen Logistics des autres sociétés du secteur? Non seulement leur énorme implication et leur suivi personnalisé, mais surtout qu'un client n'a qu'une seule personne de contact, qui traite la commande du début à la fin. En cas de souci, un seul interlocuteur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Van Meegen Logistics fait partie du groupement Astre, qui est le premier groupement de transporteurs européens. Via une plateforme d'échange de marchandises, l'entreprise peut envoyer des palettes dans toute l'Europe et dans les plus brefs délais. Ils gèrent la préparation des commandes jusqu'au transport, ont un système informatique qui s'adapte aux clients et s'occupent en prime de toutes les formalités douanières. Alors ça, c'est un service qui répond à 100% aux besoins du client. Van Meegen Logistics. Même s'ils vont très loin pour vous, ils sont toujours très proches de vous. Comme le dit leur slogan, With you, everywhere you go. Bonjour Monsieur Van Meegen. Vous pouvez dire Laurent, Christophe, il n'y a pas de problème. D'accord, super, c'est beaucoup plus facile, merci, super. Alors, je vous félicite déjà avec votre film qui est vraiment superbe et qui nous a aussi tous donné l'occasion de voir pour la toute première fois votre poids lourd électrique, l'eActros, le voilà.
Mais pour quelle tâche est-ce que vous allez l'utiliser celui-là? Alors ce véhicule, il est utilisé déjà quotidiennement pour faire de la distribution urbaine. Donc ça fait déjà maintenant plus ou moins 3 mois qu'il roule au sein de notre société et il s'est intégré parfaitement du jour au lendemain comme un autre véhicule de distribution. Donc ce véhicule a une autonomie de plus ou moins 200 km, donc ce qui lui permet quand même de distribuer de la marchandise dans pas mal de nos communes et villes entourant ici Sainte. Ok, c'est super astucieux. En plus, votre entreprise est connue pour une entreprise qui investit beaucoup dans la durabilité. Alors, quels sont vos projets dans le futur à ce point de vue-là? Alors, cette année-ci, on a un projet quand même qui est assez intéressant. On va faire rouler plusieurs véhicules avec un carburant alternatif qui est l'HVO. L'HVO? Alors, l'HVO, c'est un carburant qui est fabriqué à partir de déchets, soit de déchets d'huile ou bien de déchets végétaux. Ah, super! Donc, on peut vraiment dire que l'HVO est vraiment un carburant bio. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet? On a un véhicule ici derrière. On a deux éco-combis qui roulent déjà maintenant chez nous depuis plusieurs années. Donc la grosse différence par rapport à un éco-combi et à un véhicule traditionnel. Un véhicule traditionnel, on charge l'équivalent de 33 euros palette. Un éco-combi, on arrive à en mettre 53. Le tracteur qui est devant, c'est un tracteur tout à fait conventionnel. Donc ça, c'est comme un autre véhicule. Donc grâce à cette combinaison, on arrive à réduire nos émissions de CO2 de près de 30%. Donc ça, ce sont les projets les plus importants actuellement qu'on a au sein de notre société. Derrière moi se trouve le CSTS Logistic Lab, un laboratoire de test mobile qui teste vos unités de chargement, en d'autres termes, vos palettes. Voyons voir. Er is in 2018 een belangrijke wetswijziging geweest. Die maakt dat pallets of laadeenheden die binnen Europa vervoerd worden, aan een normering moeten voldoen. De EUMOS 40509 normering. Deze normering bepaalt dat laadeenheden aan een test moeten worden onderworpen, voor ze op transport mogen. Deze EUMOS 40509 testen gebeuren vandaag reeds op verschillende locaties binnen Europa, maar steeds in een vast testlabel. Binnen Europa is CSTS het eerste bedrijf dat on-site bij de klant zelf komt om deze testen uit te voeren. Paletstabiliteit is in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt veel meer dan enkel kosten. Het is veiligheid, optimalisatie, schade voorkomen en duurzaamheid. De klant kan zijn laadeenheden optimaliseren. Vaak is het resultaat veel minder plastics. Bovendien kan hij ze laten voldoen aan de wettelijke bepalingen. Belangrijk is dat CSTS een transportveilig certificaat uitreikt voor de laadeenheden. Wat betekent dat magazijn- en transportschade voorkomen wordt. Het is belangrijk voor verzekeringen en uiteraard bij wegcontroles. Dit zorgt voor heel wat voordelen. De laadeenheden kunnen rechtstreeks van de productieeenheid naar de testbank, zonder voortraject of natraject. Indien de testen niet slagen, kan onmiddellijk worden bijgestuurd en kan de klant op die manier de laadeenheden alsnog optimaliseren en laten voldoen aan de wettelijke bepalingen. L'an dernier, Van Michem Logistics a construit un nouveau centre de cross-docking sur son site de Sainte. Cet entrepôt compte plus de 50 quais de chargement pour une superficie de 5 790 m². C'est aussi un bâtiment très innovant, équipé d'un système de transport automatisé de palettes. Et ce n'est pas tout, puisque la construction d'un nouvel entrepôt logistique de 30 000 m² dans le nouveau zoning Sainte 2 va débuter en ce début d'année. Ce bâtiment sera neutre en CO2 et... Un utilitaire léger, c'est un outil sur mesure, ce que Waslan Automotive a bien compris. Lichte bedrijfsvoertuig is een specialiteit. Er zijn veel garages die vandaag bedrijfsvoertuigen verkopen, maar die niet altijd begrijpen de eisen en de verwachtingen van de klant. Waslan Automotive heeft daarvoor specialisten in huis die perfect analyseren wat de klant wenst, hoe hij de voertuigen wil en die daar volledige begeleidingen gaan doen in het aankoopproces. Onze doelgroep is zeer duidelijk. Van de kleinste zelfstandigen met 1 bestelwagen tot grotere fleetklanten met wagenparken van meer dan 200 wagens tot de overheidsinstanties zoals een Fluvius, Bpost, de Vlaamse overheid, Watergroep, die by the way eigenlijk allemaal al klant zijn bij ons. Waslan Automotive est un fournisseur tout en un, ayant pour but de soulager totalement le client. Et cela se manifeste à différents niveaux. Aftersales activiteiten zijn voor ons zeer belangrijk in verschillende opzichten. Ten eerste dat we beschikbaar zijn voor de klant wanneer hij niet operationeel is. Wat eigenlijk wil zeggen laat-avondservice
of zaterdagservice. Een tweede punt is beschikbaarheid hebben van verschillende commerciële voertuigen in vervangwagenpark of aanloopwagenpark, zodat de klant een voertuig extra nodig heeft, dat we het altijd kunnen aanbieden. En een derde punt is, als we aanpassingen, inrichtingen van voertuigen, dat we die allemaal in eigen huis doen. En wat eigenlijk ervoor zorgt dat er een snellere leveringstermijn kan gegarandeerd worden. À l'avenir, la succursale de Sint-Niklaas sera totalement spécialisée dans les véhicules utilitaires Ford. Mais le client utilitaire restera également roi à Beveren. Le fournisseur de médicaments Febelco a passé une commande importante auprès de Wasland Automotive pour le renouvellement de sa flotte. Het was belangrijk voor ons om met één dealer te gaan werken. Het is een groot project, vervanging van 200 wagens gedurende 2 jaar en voor onze 8 vestigingen. En dat vraagt heel wat coördinatie en communicatie. De wagens die moesten ook aangepast worden. Door dat op één plaats te doen, hebben we ook een uniforme aanpassing van die wagens. En last but not least, de chauffeurs zijn zeer tevreden over het gebruik van de wagens. Mais Wasland n'est pas seulement à la disposition des grandes flottes. Als kleine KMO, horeca-onderneming, zijn wij ondertussen reeds meer dan 30 jaar klant hier in Beveren bij Wasland Automotive. Bovendien is de op maat gesneden service die we van Ben de Groof en zijn team krijgen, in die mate dat alle verdere behoeftes worden ingevuld. Deze ontzorging en voor alle duidelijkheid de topkwaliteit van de Ford bedrijfsvoertuigen zorgen ervoor dat deze vestiging Wasland Automotive een absolute aanrader is. Cette année, Wasland Automotive a reçu le Ford Chairman's Award pour la 25e fois pour avoir obtenu le meilleur score belge en matière de satisfaction client. La meilleure preuve que l'approche fonctionne. Mesdames et messieurs, l'heure de notre tout premier show Passion for Vans est venue. Et nous commençons avec Maxus. Transport Média est l'heureux propriétaire d'un Maxus e-Deliver 3 depuis la fin de l'année dernière. L'équipe TV et la rédaction vont donc désormais parcourir le pays en mode 100% électrique. Jetons ensemble un coup d'œil au point fort tout nouveau de Maxus pour 2021. Compact et 100% électrique, je vous présente le dernier Maxus, l'e-Deliver 3. Vous pouvez le positionner dans la catégorie des fourgons de taille moyenne avec un volume de chargement de 4,8 ou 6,3 m3. Car, outre une charge utile de plus d'une tonne, il dispose également d'une capacité de remorquage allant jusqu'à 1,3 tonnes. L'e-Deliver 3 n'est pas une camionnette de livraison standard, cela se voit tout de suite, évidemment. Il présente une face avant caractéristique et une ligne latérale sobre. Et ce Maxus entièrement électrique affiche une autonomie réaliste en circulation urbaine entre 226 et même 342 km, en fonction de la batterie choisie évidemment. L'e-Deliver 3 est chargé à 80% en seulement 45 minutes via un chargeur rapide. Ah. Le prix catalogue de l'e-Deliver 3, le moins cher, se situe juste en dessous des 32 000 euros hors TVA. Pour ce prix, vous bénéficiez donc aussi d'une garantie de 8 ans sur la batterie, de 5 ans sur la voiture et d'une assistance dépannage de 5 ans. Dat is nu al ongeveer 2 jaar, denk ik, dat jullie actief zijn op de Belgische markt en dan voornamelijk als elektrische LCV-bouwer. En toch gaan jullie nu ook smijten op die dieselvariant, de e-Deliver 9. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. En dat kadert in het uitbreiden van het gamma. We zijn een kleine 2 jaar geleden begonnen met de Maxus EV80, de eerste elektrische bestelwagen. Intussen hebben we er al 3. Twee elektrische modellen en nu dus ook de Deliver 9 met een dieselmotor. Een volledig gamma. En Maxus heeft ook al een volledig dealernet intussen. Want in België hebben we nu al meer dan 20 Maxus verkooppunten verspreid over heel het land. We zijn begonnen dus met 3 modellen al. We hebben al 20 dealers. Er rest nu natuurlijk bekende klanten, grote klanten gaan zoeken. Daar zijn we volop aan het werken. Heel mooi nieuws in de pipeline. De eerste mooie verkoopscontracten zijn een feit. We gaan Maxus zeker nog veel zien rijden op onze wegen in 2021. Oké, wel, ik wens jullie natuurlijk ongelooflijk veel succes. Dankjewel, Wim Doms van Maxus. 2021 wordt sowieso een jaar vol avonturen. Dat is duidelijk. 2020 a été une année record pour Cargo Lifting. La société a non seulement remporté le titre de Best Innovation Van, mais a considérablement agrandi son site de Villers-le-Bouillet avec un nouvel atelier. Et 2021 est tout aussi prometteur.
Nous sommes en présence d'un utilitaire parmi les plus populaires auprès des professionnels, le Peugeot Boxer. Cette caisse est construite à l'aide de panneaux en polyester de 4 mm encadrés par des profils en alu anodisés. Cette charge utile varie entre 800 et 900 kg selon la configuration et progresse encore de 40 kg lorsque la caisse elle-même est en aluminium. Une porte battante permet un accès latéral côté droit et à l'arrière, on retrouve un ayon élévateur d'une capacité de 750 kg. Cet utilitaire a été préparé par Cargo Lifting à Villers-le-Bouillet. Un carrossier qui vient d'obtenir l'exclusivité sur cette gamme grand volume Easy Pack chez Citroën, Utility chez Peugeot et Conversion chez Opel. Ce qui va représenter donc la transformation d'environ 350 véhicules chaque année. We hebben gekozen voor Cargo Lifting omdat zij ons een fantastisch product konden aanbieden, omdat zij het volume die wij nodig hebben ook konden produceren en omdat wij een geweldige ervaring hebben met hen op het gebied van kwaliteit van opbouw, opvolging van onze bestellingen en service. L'un des éléments qui ont poussé PSA à se tourner vers vous, c'est notamment votre capacité à sortir des véhicules dans des délais super courts. Exact. Nous terminons la construction ici d'un tout nouveau hall uniquement de stockage de plus de 2000 m² sur deux niveaux. Ce nouvel outil va nous permettre de répondre encore plus vite aux clients avec un stock tampon et de proposer ainsi une solution cargo minute, step by step. Cargo Lifting veut s'inscrire comme la référence en utilitaire léger et renforcer ses partenariats avec ses clients, concessionnaires et importateurs. L'an passé, Fiat Professional avait déjà présenté quelques camionnettes électriques. Ce mois-ci, le constructeur automobile italien réitère avec un nouveau lancement. Ce Fiat Talento est connu pour être le leader du segment dans le domaine de la charge utile, de la compacité et de la maniabilité. Mais très important, désormais, il est aussi également disponible avec une transmission automatique à double embrayage DCT à 6 rapports. Et ça, c'est certainement une amélioration en termes de confort de conduite. La boîte de vitesse automatique est disponible dans les Talento à toit bas, associée au moteur 2.0 EcoJet de 145 et de 170 chevaux. Le véhicule est disponible dans tous les types de carrosserie, fourgon, double cabine et plancher cabine. Le prix d'achat de la boîte automatique débute à 29 300 euros. Si vous optez pour un Talento manuel, il commence à 25 950 euros. Yves, ik ga onmiddellijk met de deur in huis vallen, want 2021 blijkt een jaar vol met nieuwigheden. Maar jullie hebben nog van alles in petto, toch? Ja, inderdaad. Zo gaan we de nieuwe motoren introduceren op het gamma, van de kleine Fiorino tot de grote Ducato. Ja. Die zullen allemaal voldoen aan de Euro 6D-norm. Daarnaast gaan we ook een nieuwe versie introduceren van de Doblo, ons bekende model. Dat is een trekkingversie, die is iets stoerder qua uiterlijk en aangepaste standaarduitrusting voor de klant die eigenlijk dat beetje meer zoekt. Oké, maar wat betreft elektrificatie, want jullie hebben de e-Ducato nu ook al, hè? Ja, inderdaad. De e-Ducato zal dit jaar geleverd worden. En naast de bekende elektrificatieversie van de bestelwagen zullen wij ook ombouwmogelijkheden aanbieden op de chassis-cabineversie. En daarnaast zal in de loop van het jaar ook de personenversie aan het bod komen. Ja, oké. Okay, wij zien alvast uit naar al die nieuwigheden bij Fiat Professional. Fantastisch. Dankjewel, Yves. Bru System est spécialisé dans l'aménagement d'utilitaires légers et a de nombreux projets pour 2021. La société est elle aussi présente dans notre studio à Beaume. Dat is precies een speeltuin, hè? Dat is ongelooflijk. Wij voorzien eigenlijk totaaloplossingen voor professionele klanten die elke dag op de baan zijn met een bestelwagen. Dus wij voorzien die van modulaire inrichtingen van systeemstroom, signalisatie van wielen en eigenlijk alle toepassingen en toebehoren dat ze nodig hebben om hun dagtaak uit te voeren.
Stel, ik ben een handige Harry, wat ik dus absoluut niet ben, hè, maar voor alle duidelijkheid. En ik wil echt zo mijn eigen goesting doen. Wat is het verschil tussen wat ik wil en de producten die jullie aanbieden? Vooral het gewicht, de veiligheid, professionele begeleiding en de mogelijkheden die we met ons systeem kunnen bieden, zullen het grote verschil maken. Er wordt voor elke klant een ontwerp op maat gemaakt naar zijn eigen gedachten en zijn idee. Dus wij zien wel daar een enorme verandering en vooruitgang in. We hebben nu ook een nieuwe showroom en trainingslokalen om eigenlijk onze klanten en onze mensen eigenlijk continu op te leiden en te informeren over alle groeiende en veranderende technologieën. Super benieuwd naar die showroom van u. Uiteraard altijd welkom. Ik wens u veel succes, man. Dank u. Op uw interieur. Il y a des nouveautés chez Volkswagen et il y en a même beaucoup. Le constructeur vient en effet de lancer un certain nombre de nouveaux modèles. Lesquels? Voyons ensemble. Voici sans doute la camionnette la plus numérique du moment. La cinquième génération déjà du célèbre Volkswagen Caddy, qui est également présentée en première belge spécialement pour vous. Le cockpit totalement numérique frappe d'emblée. À cet égard, le Caddy s'inspire de la huitième génération de la Golf. L'architecture pour les éléments d'affichage et de commande est totalement neuve. Et elle est disponible aussi avec des écrans de 6,5 à 10 pouces. Et à l'extérieur aussi, le Caddy affiche son caractère hyper sportif, tout comme sous le capot où Volkswagen propose des nouveaux moteurs Euro 6. Les moteurs Teddy sont disponibles entre 75 et 122 chevaux et utilisent pour la toute première fois le nouveau système Twin Dosing. Les émissions d'oxyde d'azote peuvent ainsi être réduites. Le Caddy est comme toujours disponible en différentes versions, dont ce Caddy Cargo pour les professionnels, le Caddy Life pour les familles et le Caddy California pour les aventuriers. Dans la numérisation, il y a d'abord ce qui se voit. Et ce qui se voit, par exemple, dans le nouveau Caddy, c'est le magnifique tableau de bord digital qui permet de paramétrer les différentes fonctions et d'avoir devant les yeux ce qu'on choisit en priorité. Mais derrière le tableau de bord, il y a toute une série de fonctions. La possibilité de connecter la voiture en permanence à Internet et de disposer de services online, de la connecter à son smartphone par exemple, mais aussi, dans un avenir pas très lointain, de pouvoir réaliser toute une série de mises à jour entièrement par Internet. Alors ce Caddy est une variante du diesel, hein, notamment, mais qu'en est-il des modèles électriques? Est-ce qu'il y a du neuf à ce point de vue-là? Un premier véhicule électrique existe déjà avec le e-crafter, entièrement électrique. Mais l'avenir, le moteur électrique, sera dans l'ID Buzz, l'ID Buzz Cargo pour les utilitaires, qui fait partie de la famille ID et qui est la toute nouvelle famille de voitures 100% électriques de Volkswagen, qui sont véritablement les voitures de l'avenir. Ah ben oui, voilà, ben c'est super. Je vous remercie naturellement Merci pour une explication, mais super claire. On peut dire que les VUL sont désormais entrés dans l'ère électrique. Et cela vaut également évidemment aussi pour Mercedes-Benz. Quelle primeur le constructeur a-t-il prévu pour Passion for Vance? La conduite électrique atteint des sommets avec ce tout nouveau Mercedes-Benz EQV. L'EQV, c'est une classe V électrique. Il combine une mobilité sans émission à des performances routières convaincantes. Cet EQV affiche une autonomie allant jusqu'à 355 km. La capacité de la batterie est de 100 kWh et elle peut être chargée de 0 à 80% en 45 minutes. Cette fonction de charge rapide fait partie de l'équipement standard. La voiture gagne même en énergie, mais son intensité est déterminée par le conducteur lui-même. Il y a deux palettes au volant. La palette gauche augmente la capacité de récupération, celle de droite la réduit. Dans la position la plus élevée, le véhicule est freiné, ce qui rend le freinage presque superflu. L'EQV peut être équipé avec une double cabine. Parfait pour l'entrepreneur qui, d'une part, souhaite une voiture et d'autre part, a besoin d'espace de chargement. Et cela, évidemment, 100% électrique. Is het nu zo dat bijna elke auto bij Mercedes-Benz
Vans ook beschikbaar is in de elektrische uitvoering. Ja, dat kan je wel zeggen, Christophe. Kijk, Mercedes-Benz staat al meer dan 100 jaar garant voor innovatie. Het is dan ook logisch dat wij als eerste fabrikant een compleet gamma kunnen aanbieden aan 100% elektrische bedrijfswagens. En ze laten ook zien dat lokaal emissievrij rijden, comfort, duurzaamheid en lage bedrijfskosten perfect te combineren vallen. En op die manier ben je 100% klaar voor de toekomst en 100% in controle. Ik veronderstel dat Mercedes-Benz ook saloncondities heeft, maar gelden die ook voor het elektrische gamma? Ja, en ik zou zelfs meer durven zeggen, bij uitstek op het elektrische gamma. Op de EQV bijvoorbeeld kunnen we een rentevoet aanbieden van 0%, 4 jaar gratis onderhoud, een eco-premie van 2000 euro en een gratis wallbox plus installatie. Het moment dus om de elektrische keuze te maken. Schitterend nieuws, dus een saloncondities op het volledige Mercedes-Benz Vans Gamma. Schitterend. Ik zou zeggen, het is nu tijd om u een ster aan te schaffen. Abeco est spécialisé dans la transformation de voitures et de véhicules utilitaires. Spécialement pour Passion for Vans, la société a développé un véhicule très fonctionnel. Voilà un travail sur mesure. Un travail sur mesure signé du spécialiste de la transformation Abeco, partenaire attitré de Bott depuis 33 ans déjà. Et ce système Bott Vario 3 constitue, grâce à sa modularité unique, ce Mercedes-Benz Sprinter abrite un système de rayonnage en aluminium léger avec de nombreuses fonctionnalités. Chaque type de véhicule bénéficie en plus d'un design 3D individuel. À ma gauche, il y a beaucoup de compartiments de rangement. Cela va de tiroir au cisternaire amovible et aussi aux boîtes en plastique, évidemment. Mais aussi une table de travail pivotante et des rails d'arrimage intégrés pour fixer le matériel. Lorsque j'ouvre la porte, il y a des tiroirs pour lesquels je ne dois pas rentrer dans la camionnette. Mais aussi, il y a ici un plan de travail rabattable avec étau sur plateau tournant. Le sol est pourvu d'un revêtement antidérapant avec une finition des bords en aluminium. Des barres de serrage peuvent être placées entre les rails d'arrimage dans le sol et le plafond, évidemment, pour fixer du matériel volumineux. Les rails de plafond sont équipés d'un éclairage LED intégré. Une transformation efficace d'Abeco. Chaque profession y trouve son compte. Les systèmes Bott sont chaque fois soumis à un crash test. Rien n'est laissé au hasard. En 2020, Ford est devenu le nouveau numéro 1 en Belgique en termes de part de marché. Ford attribue son succès au réseau Transit Center et aussi à sa dernière génération de véhicules utilitaires légers. On les découvre ensemble. Le voilà donc, le Transit Custom Plug-in hybride unique en son genre. Il roule en mode purement électrique grâce à un moteur électrique silencieux et souple. Notons aussi la batterie lithium-ion compacte à refroidissement liquide située sous le sol de chargement. L'autonomie atteint pas moins de 500 km grâce au moteur à essence qui fait office de prolongateur d'autonomie. Ford a choisi pour la cause son moteur 1 litre EcoBoost très apprécié. Différents modes de conduite vous permettent de déterminer vous-même quand vous roulez en mode électrique. À noter le géofencing intégré unique grâce auquel le véhicule détecte automatiquement en entrant dans une région donnée où seuls les véhicules zéro émission sont autorisés. Dans ce cas, il enclenche lui-même automatiquement la conduite électrique. Ah, ça c'est facile, hein ? À la maison, vous pouvez le charger vous-même en 3 heures via une prise 220 volts 32 ampères. Un véhicule polyvalent donc ce Transit Custom Plug-in hybride. Et en plus, Ford a encore des nouvelles. Ils sont officiellement le numéro 1 en Belgique. On en parle. Bientôt, vous allez aussi lancer l'e-Transit, ça c'est juste? Tout à fait, Christophe. Donc l'e-Transit sera la grande nouveauté chez Ford en 2022. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'e-Transit? C'est tout d'abord un véhicule Transit qui repose sur 55 années d'héritage de Transit, donc très très capable. 350 km d'autonomie, le véhicule électrique le plus puissant du marché.
jusqu'à 2 tonnes de charge utile et 25 configurations. On a la chance que ce produit sera distribué par un réseau de transit center et également habillé par nos carrossiers partenaires, donc tous ces experts qui sont au service de la clientèle. Mais vous investissez encore toujours aussi dans les moteurs diesel super propres. Comment est-ce que vous allez déterminer quel est le bon moteur pour le client, l'électrique ou le diesel? Alors, chez Ford, on a l'avantage d'avoir pas deux choix, mais trois choix. L'électrique en 2022, le diesel maintenant, et également maintenant le plug-in hybride, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Eh bien voilà, c'est très clair. Merci Olivier. Merci. Et last but not least, nous avons une avant-première belge. Elle nous vient de Renault. Voyons cela. Nous avons une avant-première pour vous. Voilà à quoi ressemblera la nouvelle gamme Trafic, dont les ventes des Passenger et Space Class débutent dès mars. Le nouveau capot horizontal et la calandre s'inscrivent dans le style du nouveau Renault Master, le grand frère du Trafic. On le voit par exemple dans les phares LED qui utilisent la signature lumineuse C-Shape typique de Renault. Parmi les autres nouveautés, citons les rétroviseurs rabattables électriquement et surtout un tout nouveau tableau de bord qui comporte pour la première fois le système multimédia EasyLink avec navigation et un chargeur de smartphone à induction. D'un point de vue mécanique, Trafic Passenger et Space Class propose trois moteurs diesel, un nouveau DCI 110, 150 et évidemment aussi le 170. Enfin, l'offre de systèmes de sécurité active s'est élargie, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence actif, avertissement de sortie de voie et un nouveau système d'avertissement d'angle mort. Ik heb direct een vraag voor u, want achter ons staat een nieuwe Trafic, maar er komen ook nieuwe LCV's aan. Ja, dat klopt. 2021 wordt een schitterend jaar voor Renault. Ik denk dat wij vanaf maart, zo goed als elke maand, wel iets nieuws zullen te vertellen hebben. Binnen enkele weken de nieuwe Trafic Passenger. Daarna volgt een volledig nieuwe Kangoo-familie met Express van, Kangoo van, Kangoo Passenger. En een revolutionaire nieuwigheid in de wereld van de lichte bedrijfswagens. Een laterale laadopening van 1,46 meter, wat dat gigantisch is. Het najaar volgt dan de Trafic als bestelwagen. En hebben wij ook een volledig nieuw aanbod in motoren die allemaal voldoen aan de DFUEL en de VIE-normen. Oké, en wat met het elektrische gamma? Wel, elektrisch is altijd belangrijk geweest voor Renault. Dat bewijst ook onze wereldpositie in de verkoop van elektrische voertuigen. Maar Renault zou Renault niet zijn als we daar al voldoening mee namen. Dus we gaan nog net één stapje verder. Renault gaat een joint venture aan met Plug Power, een wereldmarktleider in de ontwikkeling van brandstofceltechnologieën en waterstofoplossingen. En daar ligt onze ambitie, marktleider worden in waterstofoplossingen voor lichte bedrijfswagens. Oké, het wordt overduidelijk een Renault-jaar. Dat is wel ongelooflijk duidelijk. Ik bedank u, Ingrid. Dank u wel. À vrai dire, ce Passion for Vance a quelque chose de Top Gear, mais de sa meilleure version, bien sûr. Et évidemment, cela inclut un concours. Intersticker et Bru System sont les organisateurs, les marques de LCV, les gladiateurs. Accrochez-vous. Voici We Are Champions. L'être humain perfectionne tout, mais sans jamais atteindre la perfection. Avec ce principe en tête, six managers de LCV s'affrontent dans de petites épreuves captivantes à la recherche de la perfection. Parce que le plaisir au travail entraîne la perfection au travail. Wim Doms, Maxus. Roxane Nietar, Volkswagen. Yves Born, Fiat Professional. Jan Lammens, Mercedes-Benz Vans. Olivier Gelas, Ford. Ingrid Lockley, Renault. Pour cette première épreuve, les candidats doivent placer le plus rapidement possible un autocollant sur une camionnette. Mais le spécialiste Intersticker les surveille de près et évalue également le résultat final. Wel, een mooie bestickering, perfecte bestickering, begint uiteraard met een goed grafisch ontwerp. En die sticker die wordt dan ook geplaatst door een ervaren monteur. Wim Doms a le privilège d'ouvrir le bal. Het was goed begonnen, maar nu loopt het mis. Hè. Nee, van daar beginnen was het. Deze is echt wonderlijk goede televisie. Je voelt dat zo op. Un joli temps de 2 minutes 23 secondes pour Wim Doms. Roxane Nietar va-t-elle faire mieux?
C'est toute la perfection féminine qui s'exprime là. Elle prend son temps pour supprimer les bulles d'air. Bien fait. Oui ? Ouais, c'est bien fait. Un temps de 3 minutes 40, mais 10 sur 10 pour la qualité. Yves Born prend également son temps. Il centre bien l'autocollant et travaille avec précision. Son temps, 3 minutes 07. Le suivant est Yann Lamens. Mevrouw is er wel van overtuigd dat ik dit niet kan. Avec un temps de 4 minutes 53, il est un peu à la traîne. Peut-être devriez-vous vous exercer un peu à la maison, Yann. Olivier Gelas se lance avec conviction, mais la préparation de l'autocollant lui pose quelques problèmes. Oui. Au final, il réalise un temps de 4 minutes 11 secondes, mais avec un collage parfait. Dernière candidate, Ingrid Lockley. Als ik dat te goed doe, dan gaan we aan onze klanten vragen om dat ook te doen. Wacht. Ja. Ingrid défend avec brio l'honneur des dames, un bon temps de 3 minutes 39 et un collage précis. 6 verschillende kandidaten, 6 totaal verschillende manieren van plaatsen. En het viel vooral goed op dat het resultaat eigenlijk mooi was. Maar ja, we verwachten ook niks anders van professionelen in de autosector. Sur base du temps et de la qualité d'application, c'est Roxane Nietard de Volkswagen qui l'emporte, suivi d'Ingrid Lockley et d'Olivier Gelas. L'épreuve numéro 2 est placée sous le signe de l'aménagement professionnel d'une camionnette. Bruce Systems se concentre totalement sur l'aménagement de votre véhicule et utilise pour cela le système Edstrom. System Edstrom is een modulair inrichtingssysteem voor de professioneel, voor het inrichten van bestelwagens, vrachtwagens en andere, zodat de mensen perfect op de baan hun job kunnen uitvoeren. Le temps est crucial dans cette épreuve. Celui qui parvient à tout remettre en place dans ce système Edstrom remporte la mise. Tout comme dans la première épreuve, Wim Doms démarre furieusement. Ja, het begint hier al goed. Shit, hier dan. Sorry. Zit dat ook vast. Klaar. D'emblée un joli temps de 3 minutes 22 secondes. Roxane Nietard sera-t-elle dans cette épreuve aussi plus rapide que les hommes? La réponse est non. Avec un temps de 3 minutes 29, elle est un peu plus lente que Wim Doms. 3, 2, 1. Yves Born doit essayer de sauver l'honneur de Fiat Professional. Et cela fonctionne plutôt bien. Il est plus rapide de quasiment 1 minute. Temps final, 2 minutes 40. Yann Lamens veut à tout prix signer le meilleur temps. Et c'est le cas, avec un chrono de 2 minutes 27. Olivier Gelas va-t-il faire mieux? Il démarre de manière atypique et place d'abord les barres. Mais sa tactique porte ses fruits, car avec un temps d'1 minute 46, il devance tous ses concurrents. Ingrid Lockley peut encore l'emporter, mais pour cela, elle doit faire un meilleur temps qu'Olivier Gelas. Ce n'est pas le cas. Avec un bon temps de 2 minutes 16, elle termine deuxième. Ja, de conclusie van deze opdracht eigenlijk is dat ja, een bestelwagen heel snel kan ingeladen worden met een professioneel systeem. Dat er ook niet echt een juiste of een foute manier is, dat bepaalde componenten echt wel op meer dan één plaats passen. Ja, en dat we ook wel zien dat er wat stijlpunten zijn, dat de ene persoon al wat preciezer is en wat netter werkt als de andere. Maar ja, wat is goed en wat is fout, zolang de componenten eigenlijk maar vaststaan. Olivier Gelas remporte donc l'épreuve 2 et par conséquent nous tenons là le grand vainqueur de cette édition We Are Champions, ce qui fait donc une nouvelle victoire pour Ford. Ce numéro de transport et VanTV s'achève. En plus d'une édition spéciale Passion for Vans du magazine Van Management, Transport Media s'engage également dans une expérience digitale très forte avec la Passion for Vans Virtual Experience du 25 au 29 janvier. Un salon virtuel du véhicule utilitaire léger avec toute l'offre du secteur. Merci évidemment aussi à Van Michem Logistics d'avoir été notre hôte et merci surtout de nous avoir suivis. À bientôt.